Les œufs de Paulette de Jack Tickers et Julie Sykes, raconté par La Fais-moi rêver et Monsieur Chat. Paulette couvait. Mes tout premiers œufs, gloussa-t-elle fièrement. Ils sont superbes, bruns et bien lisses. Il faut absolument que j'invite tous mes amis à venir les admirer. Elle se glissa hors du poulailler. Par qui vais-je commencer ? Se demanda-t-elle. Je sais, par Jeanne Lacan. Paulette sauta par-dessus la barrière, traversa le pré et s'arrêta au bord de la mare. Bonjour Jeanne, dit-elle gaiement. Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs ? Pas maintenant ! Cancana Jeanne. J'apprends à nager à mes bébés ! Les canetons s'amusaient dans l'eau en éclaboussant partout. Paulette les regarda un moment et se sentit un peu moins gaie. Mes œufs sont superbes, mais ces canetons tout duteux sont tellement plus mignons. Paulette s'en alla voir Gertrude la truie. Bonjour Gertrude, gloussa-t-elle. Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs ? Mais Gertrude ne l'entendit pas. Elle jouait avec ses porcelets qui se roulaient sur elle en gigotant. Paulette soupira. Mes œufs sont superbes, se dit-elle. Mais ces porcelets turbulents sont tellement plus mignons. Paulette soupira encore et alla trouver Noémie la brebis sur la colline. Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs ? Lui demanda-t-elle. Pas maintenant ! Bella Noémie. Il faut que je surveille mes agneaux. Paulette, découragée, regarda les agneaux gambader dans l'herbe. Mes œufs sont superbes, se dit-elle. Mais ces agneaux qui font les fous sont tellement plus mignons. La tête basse, Paulette retourne à la ferme. En chemin, elle rencontre Minouche la chienne. Bonjour Minouche, gloussa Paulette. Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs ? Minouche remua la queue. Pas maintenant, Paulette, aboya-t-elle. J'emmène mes chiots en promenade. Paulette commençait vraiment à avoir le cœur gros. Mes œufs sont superbes, se dit-elle. Mais ces chiots curieux de tout sont tellement plus mignons. Paulette décida de passer par l'étable. Peut-être Valentine la vache pourrait lui remonter le moral. Tu n'as pas envie de venir voir mes œufs ? Appela-t-elle. Chut ! Fit doucement Valentine. Et d'un mouvement de tête, elle montra quelque chose à ses pieds. Blotti dans la paille, un veau nouveau-né dormait profondément. Paulette était au bord des larmes. Mes œufs sont superbes, se dit-elle. Mais ce petit veau blotti contre sa mère est tellement plus mignon. Paulette traversa la cour de la ferme et regagna le poulailler. Ses œufs étaient là, toujours pareils, bruns, lisses et immobiles. Mes œufs sont superbes, soupira Paulette. Mais les petits des autres animaux sont tellement plus mignons. Elle gonfla ses plumes et reprit tristement sa place sur ses œufs. Paulette fit un bond de surprise. Oh non ! S'écria-t-elle. Voilà que je les ai cassés ! Elle éclata en sanglots. De grosses larmes vinrent rouler sur ses œufs fendillés. À chaque larme qui tombait, une fente s'élargissait. Et tout à coup, les coquilles se brisèrent l'une après l'autre. Paulette vit apparaître une petite tête duveteuse, puis une autre, et une autre encore. Bientôt, le nid fut plein de poussins minuscules. Faisaient les poussins. Paulette s'arrêta de pleurer et les contempla. Ses œufs étaient cassés ? Aucune importance. Les poussins nouveau-nés étaient exactement ce dont Paulette avait toujours rêvé. Elle sortit fièrement dans la cour de la ferme et les poussins se précipitèrent à sa suite. Tous les animaux les regardaient passer. « Tu m'as vu, Paulette ?» cancana Jeanne. « Tes poussins sont tout duveteux, comme mes canetons, et turbulents comme mes porcelets. » grogna Gertrude. « Ils font les fous, comme mes agneaux. » bella Noémie. « Et ils sont curieux de tout, comme mes chiots. » aboya Minouche. « Et le plus adorable ?» meugla Valentine. « C'est qui se blottissent contre toi ?» comme mon veau contre moi. Paulette était bien d'accord avec ses amis. Mes œufs étaient superbes, dit-elle. Mais mes poussins sont tellement, tellement plus mignons.